gaz de schiste, c'est du gaz. Je veux dire, nous, on a choisi d'arrêter le charbon il y a quelques années. On a choisi de continuer le gaz et de promouvoir le gaz. Et on est à peu près 50% gazier, 50% pétrolier en termes de major oil and gaz. Et on a l'ambition de, justement, de faire shifter cet équilibre vers le gaz. Et le gaz, il faut le trouver là où il est. Et effectivement, aujourd'hui, les grandes ressources de gaz, elles sont là où Total se trouve. Elles sont au Moyen-Orient, elles sont en Russie, elles sont aux États-Unis, elles sont en Australie. C'est exactement là qu'on fore, parce que le gaz, il faut bien le trouver là où il est. Donc, effectivement, oui, on fore là où il y a du gaz, on fore là où il y a du gaz de schiste. Et il faut éviter de mettre dans le même panier les foreurs amateurs qui, effectivement, prennent des risques et les foreurs professionnels avec des équipes triées sur volet qui forent, effectivement, en maîtrisant le risque. Donc, je ne suis pas très à l'aise sur ce sujet gaz de schiste parce qu'il est très polémique en France, mais ce n'est pas forcément beaucoup plus compliqué d'extraire du gaz de schiste que d'autres types de gaz. Et donc, effectivement, c'est notre métier. On est les professionnels du gaz.